Envie de pratiquer votre sport favori sans être dépendant des intempéries, c'est ce que vous propose le Central Club à Montluçon. Le Central, complexe sportif, ça va faire 4 ans que c'est ouvert. Et deux couples qui ont eu l'idée de faire ça. Deux couples d'amis qui ont eu l'idée de faire ça. Carole, Julien, Ludo et Estelle. On accueille deux terrains de soccer, terrain de squash. On fait de l'événementiel, salle de fitness, bar, restauration, restaurant tous les midis, le soir sur réservation, et concours de pétanque. Avec ces deux terrains de foot indoor de 650 m² en gazon synthétique, une salle de fitness, une piscine, des terrains de squat et prochainement un terrain de paddle. C'est un complexe unique à Montluçon. Derrière, oui, soccer. D'accord. Donc c'est des gens qui viennent entre eux. Ils louent le terrain pendant une heure. N'importe qui peut venir, de 7 à 77 ans. Juste à passer un petit coup de fil, savoir si le créneau horaire est dispo. Et c'est parti. Le terrain de soccer, une heure pour 10 personnes, 50 euros. La location de soccer, de squash, pardon, c'est 7 euros par personne. D'accord. Ah, sur l'heure aussi. Donc ça joue à deux, ça fait 14 euros. Alors en famille, entre amis ou avec les collègues de travail, ce sont des idées pour vos déjeuners, soirées ou toute autre occasion originale. Cette salle est ouverte à tout le monde, bien sûr. Donc c'est pareil, c'est sur adhésion par contre là. D'accord. C'est sur adhésion. Quel ordre de coût ? Alors l'ordre de coût c'est ici. Donc c'est 14,90 par mois. Ensuite il y a des frais d'adhésion, mais étant donné que l'année est commencée, donc c'est plus 70. Ça lui passe à 50 euros. Il va y avoir un nouveau sport unique dans la région aussi. Terrain de paddle qui va ouvrir incessamment sous peu. C'est un espace de détente et de convivialité ouvert à tous et pour tous. Central Form, c'est un bassin où on propose des activités aquatiques comme l'aquabike, aquatraining, aquagym, des séances de natation adultes et des séances de natation enfants. Et tout ce qui est aquabike, aquagym, aquatraining, tout ça, c'est que des adultes. D'accord. Voilà. Cours de natation adulte pareil, et on a quelques créneaux de natation enfant où voilà, on leur apprend à nager avant de les diriger sur un club de natation. Voilà. Donc c'est une adhésion annuelle? C'est une adhésion à l'année pour tout ce qui est aquabike, tout ça. C'est, les gens payent une adhésion, après payent des séances. Après pour les petits, ça fonctionne au trimestre. D'accord. Voilà, ils font un trimestre, ils viennent quand ils sont disponibles sur un créneau donné. Et voilà, c'est chaque trimestre, on renouvelle ou on ne renouvelle pas en fonction de l'envie des parents et des enfants. On fait les anniversaires aussi. D'accord. On fait les anniversaires des enfants, oui. On fait des booms, on fait venir un disc-jockey. La salle de restaurant et Modulab pourrait être privatisée afin d'accueillir de grands groupes jusqu'à 100 personnes. Le soir, sur réservation. Et ce sont les habitués qui viennent en général ou... Non, tout le monde. Non. Tout le monde vient. En principe, les gens réservent à l'avance. Donc on dresse. Sinon, après, si vraiment on est coincé à ce niveau-là, on peut dresser devant le bar. Après, les clients choisissent. Ou en salle de restauration, ou dans le bar, ou sinon au-dessus à la mezzanine. Côté restauration rapide, vous pourrez déguster dans une ambiance chaleureuse plateau de fromage et charcuterie, sandwich et panini. Moi, je m'occupe de la cuisine. Donc, ma spécialité, c'est la cuisine italienne. Mais sinon, je fais de la cuisine traditionnelle. Donc, si on vient manger les bonnes pâtes, vous venez ici. Ouais, exactement. En plus de toutes ces activités sportives, le Central Club dispose d'un bar, d'une terrasse extérieure et même d'un restaurant. Tout simplement, les soirs, les gens viennent ici, s'installent, boivent un verre, regardent les matchs. On diffuse les matchs à la télé aussi, tout ce qui est Coupe d'Europe, championnat, enfin même tout, le match du PSG qu'ils ont perdu hier. Ouais. Pas mal d'événements sur toutes les soirées. Et on va faire un événementiel aussi, de l'événementiel sur la Coupe du Monde. Samedi 27 avril. Soirée chic et choc au Central. Exactement. À Montluçon. Exactement. On s'en souviendra, Sam. Hein. Avec assiettes de tapas en plus. Hein, on fait des assiettes de tapas. On passera boire un verre. Avec plaisir.